how we end up in the same place. Every night I'm looking at you with my game face. What is that? Well, I squint my baby blues and I act like I'm a movie star to make up for my moves. See, I'm P-Rock, I'm CL, but I ain't very smooth. Got another ultimatum, you can stay or you can cruise. Hey les amis, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous laisser un petit message. À propos du concours, donc les résultats du concours seront affichés le 17 mai 2014, 14h je sortirai la vidéo ou 16h je verrai encore. Donc voilà, petit message et on commence la vidéo tout de suite, c'est parti. Yo tout le monde, c'est Zenko, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 d'Olicube. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va être très 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 bien. Donc quoi de neuf aujourd'hui? On va faire un truc assez spécial. Au passage, vous remarquez que j'ai max de niveau parce que je suis allé aider Elario à construire son gros trou. Il fait aussi un big trou un peu comme moi, mais pas le même style. Donc voilà, on se retrouve sur l'Olicube. Donc, comme je vous dis, la cave. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cave? Là, ouais, je vais rénover tout ça là, cette merde, parce que c'est super moche. Je vais refaire les murs. Je vais faire une usine à pastèques et une usine à blé. Ah merde, les moutons! Non, les moutons! Sortez! Non, shit. Bon, on va les buter, hein. Donc voilà, je disais la cave, je vais faire usine à, ouais, à pastèque, usine à pain. Donc voilà, je vais faire ça tout doucement. Par contre, je vais pas tout faire en live parce que ça risque d'être chiant à regarder. Donc je vais encore continuer un peu histoire que on voit au moins le début. Là, il va falloir que je ramasse un jour, c'est Hopper. Sinon, quoi de nouveau sur le serveur? Plein de choses. Il y a eu. Je t'avais même pas dit, en fait, je me suis rendu compte. Ça fait longtemps maintenant, quand même, ça y est, le X-Mob au spawn que j'avais fait à l'époque. Mais je l'avais pas filmé, du coup, parce que voilà, c'est un X-Mob, quoi. C'est rien de très compliqué. C'est que du tuto que je suis à la lettre, donc il n'y avait rien d'intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, Elirio, comme j'ai dit, a commencé un big trou. Il veut faire un village souterrain. Ça va être un truc vraiment pas mal. Du coup, je l'ai vu. C'est un projet qui a l'air d'être très, vraiment très intéressant. Je l'ai aidé un peu parce que ça allait être long sinon. Vous savez, j'ai été avec As-2 et Fiat-6-5 en mode mitraillette MP5 tir rapide, qui est le gros geek. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai aidé un peu avec ça. Et là, ça me fait chier, il y a des trous d'air là. Faut que je la bouche. Sinon, après, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? J'ai pas recontinué de maison encore au village PNJ. J'ai encore pas eu l'envie, la motivation. J'ai pas eu de retour au niveau de la maison. Donc, je vais rien changer pour l'instant. Je verrai comment je vais faire les grandes maisons. Au pire, je vous montrerai dans le. Si je les fais d'ici le prochain épisode, je vous montrerai. Je sais pas comment je vais faire un dessin. Genre un. Je sais pas, je vais voir. Je vais faire le sol. Je vous montrerai au pire à quoi ça ressemble, une grande maison. Enfin, je verrai encore comment je vais faire tout ça. De toute façon, ça va se faire petit à petit, le village, je vais pas tout faire d'un coup comme je vous l'ai dit. À moins que ce soir j'ai un gros coup de motivation et que. Ouais, quoi que ça me tente, là, je vais peut-être le faire, je sais pas. Bon, bref, je vais voir. En tout cas, voilà, je tenais à vous remercier encore pour les 100 abonnés. Je suis passé à 107 abonnés aujourd'hui. Grâce au concours, je pense que c'est ça. Hein. Je sais pas trop. Donc voilà, je tiens à vous remercier les 107 abonnés qui me suivent. Parce que ça me fait vraiment plaisir. Je l'ai peut-être pas dit dans la dernière vidéo, mais. 107 abonnés, c'est vraiment énorme pour moi. Je m'attendais pas à avoir un jour 107 abonnés parce que tout le monde se dit peut-être ouais, moi j'ai 400 abonnés, ça c'est rien. 107, là, là, là. Moi, franchement, 107 abonnés, c'est largement assez. Enfin, assez. On va dire que je dis pas non s'il y en a plus, c'est pas ça le truc. Même passage d'une salle des fours que j'ai fait juste avant. Mais 107 abonnés, il faut se dire que c'est 107 personnes qui regardent vos vidéos et qui prennent peut-être du plaisir à les regarder, c'est pour ça qu'elles s'abonnent. Et donc, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de gens qui vous suivent. Moi, ils peuvent être 20, 15, 100, 10 000 amis, enfin, peu importe. Plus on est, plus je suis heureux, c'est sûr. Mais voilà, 107, c'est vraiment un chiffre, enfin, un chiffre spécial, mais un nombre qui me touche vraiment parce que c'est déjà beaucoup de personnes qui me suivent, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier encore une fois de vous être abonné à ma chaîne. Et donc, pour pas vous décevoir, je continue à vous mettre du contenu exclusif, enfin, pas exclusif forcément, mais beaucoup de contenu. Et il y aura peut-être, je n'en dis pas plus, peut-être une alliance avec un autre youtubeur. Vous connaissez peut-être pas. Bref, je vais voir encore ce que ça donne avec lui, s'il est motivé, s'il est vraiment d'accord, tout ça. Et pourquoi pas, du coup, après faire des séries à deux, ça pourrait être vraiment sympa. Mais sur chacun sa chaîne, hein, c'est pas ça le délire. C'est juste que, voilà, on pourrait faire des séries à deux, multijoueur Minecraft, même d'autres jeux, hein, pourquoi pas par la suite. Pour ça, je vais réfléchir à ça. Peut-être ce soir, je pense, de toute façon, vous verrez la réponse. Si c'est le cas, je pense que d'ici peu, vous verrez des vidéos sortir à propos de ça. Donc voilà, bah écoutez, je pense que je vais faire une petite ellipse parce que je n'ai pas fini la vitesse où je vais, à mon avis, j'ai pas fini.
Je vais certainement faire une petite ellipse. Et j'ai plus qu'à vous dire à tout à l'heure. Ciao ciao. Voilà les amis, on se retrouve un peu plus tard. Donc je ne suis pas dans. Je regarde juste que ça tourne, j'ai toujours peur. Allez, ça tourne, c'est bon. Je ne suis pas dans ma cave. Je veux tout simplement vous montrer un autre projet que je suis en train de faire en parallèle. Donc, vous voyez peut-être pas ce que c'est, parce que comme ça ressemble pas à grand chose. Donc, je peux déjà vous dire que ça va être immense. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est un Parthénon. Donc, un Parthénon, c'est vraiment un truc immense. Vous pouvez taper sur YouTube Parthénon Minecraft. Vous allez voir, il y en a un qui en a fait un. D'ailleurs, je reprends son tuto à lui. C'est vraiment un truc énorme. Et si vous voulez, là, il me faut environ. Enfin, pas environ, il me faut. Je vais vous dire ça tout de suite. 17 fois. Donc, là, allez, passe. Oh, shit. Hop. Vous voyez les tours là, comme ça, une tour comme ça, bah, il en faut 17 dans la longueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, des comme ça. Donc niveau bois, on va dire que ça coûte pas mal cher. C'est pour ça que j'ai décidé de faire. Déjà, j'ai une dernière page, je vais vous montrer. Donc ça, c'est super long. Hein. Donc ça fait 17 fois. Il n'y a pas de fail. Putain, that's fail. Je vais encore continuer comme ça. Et vous n'avez pas dit, vous allez dire, ah, ça fait moche, c'est tout plat, tout ça. Mais vous inquiétez pas, après, je ferai du terraforming, je rajouterai des montagnes et tout ça. Je recustomerai tout ça. Et on va retourner là-bas pour vous montrer autre chose. Parce que pour avoir autant de bois, je vais pas le faire à la main, bien sûr. Je vais pas m'amuser à casser tous les arbres. Rien que pour faire celui-là, je me suis déjà fait chier à mettre de la poudre d'os et tout. Ça m'a tellement fait chier que j'ai arrêté. Donc je suis en train de refaire une usine à bois d'ailepierre qui l'avait fait il y a longtemps maintenant. Je suis en train de la refaire petit à petit. Et voilà, dès que ça sera terminé, je pourrai avoir masse de bois pour enfin continuer parce que là j'ai plus de bois donc ça commence à être chaud. Donc voilà, je vais juste vous montrer de nouveau là où ça en est. De toute façon maintenant on se retrouve tout de suite après pour vous montrer qu'est-ce que ça a donné. La cave finie tout de suite. Yo les amis, on se retrouve après un petit moment. Donc vous avez, je vais vous montrer le Parthénon, tout ça. Maintenant, on va voir la cave terminée. Donc il me reste encore pas mal de trucs à faire, genre usine à ouais, c'est quand même beaucoup plus beau comme ça. Hein. Usine à Netherrack, non, j'arrive plus à parler. J'arrive plus à parler, je sais plus comment ça s'appelle. Pas la Netherrack. De, je sais plus, j'ai un putain de trou, les amis. Oh, c'est très rollback. Bref, le truc pour faire des potions. Voilà, on va abréger. Donc, vous voyez, là, j'ai fait ma petite usine à pastèques. Donc, il y a encore pas mal, encore rien qui est sorti. J'avais du melon sur moi encore là. Et là, l'usine à pain. Donc, j'ai ramené des villageois. J'ai déjà 12 pains. Ça produit vraiment bien. C'est très très rapide. J'ai arrêté un peu le système parce que sinon ça allait trop bugger avec la poudre d'os. Donc j'ai un peu décidé d'arrêter. Et je pense que ici je ferai encore, comme j'ai dit, plusieurs autres machines. Hein, j'ai toujours pas trouvé le nom. C'est abusé. Netherwart. Voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Je crois que c'est ça. J'ai même pas sûr que c'est ça. Bon, voilà les amis. En tout cas, on va se laisser là pour l'épisode 8. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lâché un petit j'aime. Très court cette fois-ci. Vous inquiétez pas, la prochaine sera plus long. Ciao tout le monde. Bye. Et encore merci pour les 106 abonnés. Here we go.